Je suis Laurence Renaud, architecte du patrimoine. Et je suis sur le quartier de la Bastille à Paris. Voilà, donc pour revenir un peu à ma formation, donc je deviens architecte du patrimoine. C'est une formation spécialisée en monuments historiques et patrimoniales, dans le sens où on est déjà architecte de formation et ensuite on a la possibilité de faire une école complémentaire qui s'appelle l'école de Chagnoux et c'est l'école de formation des architectes du patrimoine et des monuments historiques. Voilà, donc c'est une au bout de 6 ans d'études d'architecture, on peut faire comme moi une partie en libéral et puis un certain nombre d'années en libéral et puis demander à faire une formation complémentaire qui est réservée aux architectes, donc cette école de Chagnoux qui se déroulait de mon quand je l'ai faite pendant 2 ans avec beaucoup de travail et puis ensuite on a donc ce diplôme certifié et on peut travailler sur les monuments protégés, c'est-à-dire les monuments inscrits à l'inventaire des monuments historiques et éventuellement des classés aussi. En général, les classés sont réservés aux architectes en chef des monuments historiques. On commence par faire des diagnostics, des études sanitaires, des édifices qu'on nous demande sur lesquels on travaille. Et puis ensuite, on établit un programme de travaux, de restauration ou de maintien ou de déconstruction et de reconstruction. J'ai travaillé il y a une dizaine d'années sur l'église de Saint-Thibaud-des-Vignes où sur le clocher, on avait un problème de confortement, donc des enduits qui se désagrégeaient, donc on l'a emmailloté. J'ai travaillé là-dessus avec un architecte, un confrère architecte aussi du patrimoine, et puis il se trouve que, voilà, on m'a appelé aussi, monsieur Jacquemin, l'ancien maire, le précédent maire, m'a appelé pour travailler sur l'église de Lèche. Avec un autre confrère qui s'appelle Fabien Denis, qui est aussi architecte du patrimoine, on a fait le diagnostic sanitaire de l'église de Lèche. Voilà. Et ensuite, on a établi un programme de travaux. Et tout ça, ça a été un petit peu démarré dans le sens où le clocher avait un problème de dévers, c'est-à-dire qu'il penche vraiment un petit peu beaucoup. Côté route François de la Chapelle. Et puis il se trouve que pendant le confinement, au moment où on commençait à faire des études, il y a une corniche qui s'est détachée à l'intérieur et est tombée à l'intérieur de l'église. Donc là, ça a été le point de départ. Il fallait mettre en sécurité le bâtiment et faire en sorte que démarrer les travaux. Donc dans un premier temps, étant donné que l'église à l'intérieur est recouverte de fresques de Madame Michigan, une artiste locale qui a travaillé sur l'église, qui a complètement recouvert l'église, plafond et parois de fresques de peinture murale, on a d'abord essayé de préserver les peintures, les zones avec un fascine et ensuite on a préparé un étaiement, on a fait réaliser 3 gros étaiements à l'intérieur de la nef. Voilà, tout ça, ça a été fait en 2020 et là en 2021 on démarre le chantier. Fin 2021, on démarre le chantier de déconstruction et de reconstruction du clocher. On a fait donc un diagnostic architectural en 2017, je crois bien. Et donc on a été obligé de faire des recherches. On a fait des recherches en mairie, on a consulté et tout ça. Et on s'est aperçu en fait que l'église, elle date, la reconstruction de cette église ou l'agrandissement de cette église, il date de 1860-65, je ne sais plus exactement. En fonction aussi de la construction de la mairie. C'est une opération un petit peu globale sur cette parcelle.
Donc, on s'est aperçu qu'effectivement le clocher avait été reconstruit à cette époque, sans doute augmenté, enfin sans doute rehaussé, et que la base de l'église c'était une toute petite chapelle. Donc c'est une église qui en général a été beaucoup remaniée, c'est-à-dire agrandie. C'est pour ça qu'on est en présence aussi de deux hauteurs de nef et de deux hauteurs de couverture. On a fait une étude de diagnostic et ensuite on a fait une étude de sol, c'est-à-dire qu'on a fait des investigations dans le sol avec des machines, des foreuses, et on en a déterminé à la fois les fondations de la nef et du clocher qui sont différentes de hauteur, en profondeur. Et puis on s'est aperçu aussi en étude de sol que le sol n'était pas suffisamment porteur, il n'y avait pas suffisamment de portance par rapport au clocher qui lui est très épais et qui représente une masse considérable. Donc en fait, comme il y a une différence de poids et de masse entre le clocher et la nef, et ainsi qu'une différence de fondation, ça pose un problème de dévers. Voilà, le clocher tire vers lui et par rapport, il tire vers la route. Voilà, donc c'est la base. Alors ensuite, l'idéal serait de faire une restauration complète de l'église. Or là, on est obligé, pour des raisons financières et de mise en sécurisation par rapport à ce qu'on a eu en 2020 comme problème suite au confinement, enfin pendant la période de confinement. On a décidé de procéder à la déconstruction du clocher jusqu'à l'endroit où, jusqu'à la zone où il prend un dévers. L'opération, c'est une opération de déconstruction-reconstruction, mais en prenant en compte les problèmes de fondation. Donc, dans une phase d'un trimestre, on déconstruit le clocher sur une hauteur de 6 mètres, à peu près sur sa moitié de hauteur. Ensuite, on va s'occuper de la charpente, de reprendre tout le volume de charpente qui est dans la nef, dans les deux nefs, puisqu'on a deux nefs de hauteurs différentes. Donc là, on a des reprises d'entrée, enfin, c'est vraiment des reprises de charpente et aussi un peu de charpente métallique. Voilà. Ça, c'est la deuxième phase qui va durer un deuxième trimestre. En troisième trimestre, une fois qu'on aura renforcer la charpente, on pourra défaire les étais à l'intérieur et on pourra faire des reprises de fondation à la fois du clocher, en intérieur du clocher sur sa base de 6 mètres carrés, et en extérieur du clocher, y compris dans la nef. C'est-à-dire qu'il y a une partie extérieure côté rue et il y a une partie extérieure du clocher mais qui se trouve à l'intérieur de la nef. Donc ça va nous prendre un trimestre aussi. Donc on va faire des renforcements de fondation et de sol. Et une fois que cette phase sera terminée, en dernier trimestre, on reconstruit le clocher en réutilisant une partie des moellons et en reprenant le beffroi, la couverture, la charpente, puis la couverture, la croix, la girouette. Le but, c'est de les préserver au maximum, mais bon, là, étant donné qu'on a eu un problème d'une corniche qui s'est détachée, en fait, ça a débouché sur la mise en place de trois gros étais de charpente. Donc préalablement à ces gros étais de charpente qui, comme si vous voulez, comme il faut appuyer, il faut un contact bois avec du bois. Donc la charpente est en bois, il fallait qu'on perce la voûte. Donc on dépose une partie des peintures murales. Alors on a essayé de les déposer en totalité sur un mètre carré et finalement ça s'est révélé impossible. Donc en fait ce qu'on a fait, c'est j'ai fait intervenir une entreprise spécialisée en peinture murale et en fresque de façon à ce qu'ils nous fassent un facing, c'est-à-dire c'est mettre un pansement autour des zones qui sont à étayer, de façon à pouvoir maintenir au maximum les peintures en l'état et en place. Ceci dit, ça n'empêchera pas un certain nombre de fissurations, mais on a fait ce qu'on a pu là, en espérant que les conditions météo vont pas modifier non plus les conditions d'hygrométrie de l'église au
pas modifier trop ses peintures. J'ai trouvé ça complètement kitsch au niveau coloris et tout ça, et puis en même temps c'est magnifique. En fait il faut s'habituer, la surprise est totale, même pour les entreprises qui arrivent, on se dit qu'est-ce que c'est ça. Et une fois qu'on est dans l'ambiance et tout, mais c'est extraordinaire. C'est un travail, Madame Michigan a travaillé là-dessus, c'est incroyable. On a essayé de garder les plâtres au maximum, donc ils sont tous entreposés sur l'autel avec un bâchage, si vous voulez. Donc après, faut espérer que tout ça va tenir et qu'on va pouvoir les remonter. Mais c'est vrai que nous, dans notre façade, c'est pas prévu. La restauration des peintures murales, elle n'est pas prévue. Là, c'est vraiment une mise en sécurité de la nef par rapport à ce problème qu'on a eu l'année dernière et de traitement du clocher de façon à stabiliser l'édifice. Événement, nous avons demandé la fermeture de la voie François de la Chapelle de façon à pouvoir, avec un Manitou, c'est-à-dire un Manitou, une grue, un engin de levage, en réalité on va démonter la charpente du cloche. On peut aller chercher la cloche et par l'engin de levage, de la même façon, la déposer sur un camion pour qu'elle soit entreposée à l'atelier. On déconstruit le clocher jusqu'à hauteur du palier intermédiaire, du deuxième plancher à l'intérieur du clocher. Donc si vous voulez, dans l'ordre, il y a la girouette, coque girouette, il y a la croix, ensuite on a la couverture. Donc la couverture là actuellement elle a été démontée, c'est-à-dire qu'elle est déposée, on n'a plus d'ardoise, on a la transparence de la charpente. On enlève toute la charpente d'un seul bloc. Ensuite, on a, si vous voulez, la charpente, elle est posée sur une arase maçonnée. Donc à l'intérieur, on voit où est le beffroi, hein, 3 mètres en contrebas. Et on voit la cloche. Voilà. Donc ça va aussi être enlevé de la même façon. Ici, un an, vous allez retrouver un clocher. Après, l'idéal, ce serait de poursuivre cette opération de restauration parce que il y a toute la nef à traiter quand même et tous les extérieurs. Mais il y a quand même des phases ultérieures à prévoir, à la fois la restauration des peintures, si Madame Michigan peut s'en occuper, ça serait merveilleux, et puis on a quand même tout l'extérieur. C'est un peu exceptionnel. En fait, dans le bâtiment, vous avez, et dans le patrimoine, maintenant, de toute façon, de tout le temps, on fait un bâtiment, c'est un prototype. Tous les chantiers sont différents. C'était un diagnostic initialement, et puis la problématique de Saint-Thibault, c'est un peu plus compliqué parce que tout le chevet est à l'intérieur de la propriété du château. Et donc, à l'époque, on avait consulté les gens du château, enfin, je ne sais plus trop comment ça s'était passé, mais bon. Donc, on a fait ce diagnostic et c'était important aussi dans le sens où il y a des chapiteaux qui sont magnifiques à Saint-Thibault. C'est un petit projet, mais c'est passionnant parce que c'est de la technique. En fait, moi j'aime ça aussi. J'aime à la fois beaucoup la peinture, donc voilà, c'est très intéressant comme problème. Le bâtiment qui n'est pas protégé, donc c'est dommage. C'est dommage parce qu'il faudrait pouvoir faire une vraie restauration complète. Et à partir du moment où une église est inscrite, déjà, on peut bénéficier à la fois pour les études d'architecte et pour les travaux de subventions.
mais c'est une église rurale et c'est vrai que le travail de Madame Michigan, c'est à conserver absolument.